revenu universel est le moyen le plus efficace de garantir l'autonomie de chacun dans son existence. Aujourd'hui, qui peut être satisfait de notre modèle social? Ce maquis d'impôts et d'allocations empilés au fil des années, qui n'est plus capable de répondre aux besoins essentiels des citoyens. Les personnes en difficulté? Elles sont nombreuses à ne pas toucher l'aide à laquelle elles auraient droit par manque d'informations et en raison de procédures trop complexes. Les salariés? Rares sont ceux qui comprennent les 30 lignes de leur fiche de paye. Les salariés au SMIC? Leur progression est découragée par les effets de seuil. Les travailleurs indépendants? L'intermittence de leur mission est source d'angoisse. Il est temps de repenser de fond en comble ce système complexe et inefficace. Nous proposons un nouveau modèle, le revenu universel. Nous l'appelons Libère, car il assure à chacun le minimum d'autonomie sans lequel aucune liberté n'est possible. De quoi s'agit-il concrètement? De donner à chaque individu, de façon automatique et inconditionnelle, une somme d'argent qui lui permette de couvrir ses besoins de base. Ce revenu universel vient se substituer à un certain nombre d'aides sans toucher aux dispositifs de chômage, retraite, maladie, logement et handicap. Comment le finance-t-on? En remplaçant l'impôt sur le revenu par un impôt dédié, la Libertax. Selon nos calculs, le coût pour nos finances publiques est nul. Résultat? On passe d'un modèle complexe, stigmatisant et socialement inefficace, à un modèle simplifié, respectueux de la vie privée et ne laissant aucun individu sans filet de sécurité. Aux quatre coins de la planète, une dynamique s'est installée. Le revenu universel est discuté partout dans le monde et les défis liés à l'économie de demain rendent plus que jamais nécessaire de réfléchir aux meilleurs moyens de préserver l'autonomie de chacun.